Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle semaine de vlog à la Savonnerie. Et cette semaine, je vous garde jusqu'à dimanche, parce que dimanche, je participe à un marché artisanal de créateurs. Et donc, je vais vous emmener avec moi, c'est l'occasion, pour vous montrer toute mon installation et puis ce marché que j'imagine va être super sympa. Donc la semaine va être un petit peu plus longue que d'habitude. Et ce matin, je commence par des cupcakes mon ange, mais avec des petites décorations un petit peu différentes de d'habitude. Vous allez voir, je pense que ça va être super joli. Allez, on y va, c'est parti. Alors là, pendant que ma base de cupcake est en train de durcir un petit peu pour que je puisse mettre le topping, je vais m'avancer pour cet après-midi. Je vais commencer à préparer. Là, j'ai 10 commandes à préparer pour cet après-midi. Donc, pour ne pas perdre de temps, je vais commencer à les préparer. Voilà. Voilà, j'ai préparé toutes les commandes. Comme ça, il ne me restera plus qu'à les mettre en colis. Donc, voilà. C'est joli tout ça. Je sais pas vous, mais moi j'ai presque envie d'être celle qui reçoit le colis. Allez, sur ce, on retourne au savon cupcake. On est mardi et aujourd'hui je me dépêche parce que j'ai 2 heures là pour faire un savon India parce qu'après j'attends une livraison donc il faut que je sois disponible donc je me mets tout de suite au boulot. Voilà, donc là je donne la touche finale au savon India.
j'avais pas tout refilmé parce que je l'avais déjà filmé sur ma chaîne en fait. Et donc si vous voulez voir la fabrication complète, je mettrai le lien dans la barre tout simplement. Juste la décoration du topping. Voilà, la pause déjeuner est terminée. Donc maintenant, je vais libérer ce petit lot de savon fleur d'agave. Et il faut aussi que je fasse tout le nettoyage, toute la vaisselle dans le labo de ce matin. Et puis après, je vais préparer les commandes du jour. Là, pour le moment, j'en ai 4 à préparer. Et puis, j'irai les emmener à la poste. Voilà le programme de l'après-midi. Coucou, on est mercredi, on est le 2 octobre et avant d'aller démouler mes cupcakes, je voulais vous parler de l'événement de ce mois-ci puisque en fait le 18 octobre, la savonnerie va fêter son premier anniversaire. Donc je suis vraiment super contente et j'ai vraiment envie de partager ça avec vous. Et surtout d'avoir une occasion de remercier toutes les personnes qui nous ont fait confiance, qui achètent les produits régulièrement ou même juste une fois, mais voilà, ça, c'est important pour nous de vous remercier de tout le soutien que vous apportez parce que c'est grâce à vous que la savonnerie peut vivre. Voilà. Donc j'ai organisé un petit tirage au sort parmi donc toutes les commandes et les achats en fait que vous ferez ce mois-ci, que ce soit sur le site ou sur place. Et vous pourrez donc tenter de remporter de l'eau de savon que je vous montre tout de suite. Voilà, donc c'est deux lots de savon uniques, puisque en fait, c'est pas des savons qui existent dans la boutique, du moins pas sous cette forme-là, puisque c'est des recettes de la savonnerie, évidemment. Mais donc là, vous avez la recette Flower, et là, la recette Mon Ange, mais faite dans deux formats spécifiques. Et donc vous avez ce lot-là que vous pouvez tenter de remporter en achetant donc sur place, et ce lot-là que vous pourrez tenter de gagner donc en achetant, passant commande sur le site. Allez, on se met au cupcake. Alors là, il est 13h30 et je me suis lancée avant le déjeuner dans la confection des box à savon. Donc là, maintenant, je vais les terminer. J'ai préparé là-bas tout ce qui va dedans. J'ai préparé les box et puis maintenant, je vais mettre les savons et puis fermer les box.
Voilà, j'ai fini la découpe de mon savon India et franchement, je suis tellement heureuse parce qu'il est absolument sublime. J'aurais voulu vous montrer toutes les tranches en fait, tellement elles sont toutes magnifiques. C'est sans doute un des plus beaux savons que j'ai pu faire. Faut savoir que en fait, c'est très difficile en savonification à froid d'avoir en fait des traits aussi fins. Sans que la pâte, en fait, sans que les couleurs se mélangent. Donc c'est vraiment pas facile. Et déjà avoir des couleurs, des traits fins et en plus avoir en golf, ils sont à la recherche du parfait swing. Et en saponification, on cherche le parfait swirl, ce qui veut dire tourbillon. Et effectivement, c'est pas chose aisée. Donc voilà, maintenant je vais ranger ceux-là que j'ai gardés pour vous montrer. Vraiment magnifique. Voilà, donc sinon pour moi le programme de la journée, ça va être de récupérer des nouveaux lots de carrés démaquillants et pochettes à savon que Sarah, la créatrice, va m'apporter. Et cet après-midi, je vais à la boutique de créateurs de Rambouillet pour leur rapporter quelques petites choses. Donc je vais vous emmener avec moi et puis comme ça je vous montrerai la boutique. Voilà, mais avant il va falloir que je range et que je nettoie parce que ça salit la saponification. Voilà. Voilà donc la petite rue dans laquelle se trouve la boutique de créateurs à Rambouillet, elle est ici. Voilà. Et en bas c'est la mairie. Allez, on y va. Alors voilà l'intérieur de la boutique de créateurs, donc à Rambouillet. Très joli. Donc, toutes les semaines, il y a des changements, des nouveaux créateurs, toutes les semaines, tous les 15 jours. Et nous, donc, on y est jusque le 19 octobre. Coucou, on est vendredi, il va être midi. Là, j'ai passé la matinée à faire des shampoings solides et je viens de donc recevoir les carrés démaquillants et les pochettes à savon que Sabra vient de m'apporter et donc je vais m'occuper de les mettre sur la boutique et puis donc de les prendre en photo, etc. Donc je vais faire ça, après je mangerai et puis il va falloir que je pense à commencer à préparer mon marché pour dimanche. Voilà le programme. Alors nous sommes toujours vendredi, là je viens de grosso modo terminer ma journée, bien qu'elle ne s'arrête jamais vraiment complètement, mais bon ça c'est autre chose. J'ai démoulé donc tous mes shampoings que je vais aller mettre à sécher, je suis allée à la poste déposer les colis, en même temps j'ai dû faire un saut rapide à Rambouillet pour remettre des shampoings solides, parce qu'il n'y avait quasiment plus de shampoings solides dans la boutique de créateurs. Donc j'ai fait un saut là-bas, c'est bon.
Et puis, bah oui, j'ai fait aussi toutes les photos et les mises en ligne sur le site des pochettes et des carrés démaquillants. Ça m'a pris un temps fou. Donc ça aussi c'est fait. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire le grand ménage. Et puis, voilà, ça y est. Allez, ciao. Alors, on est samedi, il est presque 13h, donc là on a eu beaucoup de monde ce matin à la savonnerie, j'ai pas eu le temps de vloguer, le temps que j'installe tout et j'ai pas eu de temps pour souffler. Mais là donc, depuis midi, donc on a tout rangé, il y a le stand qui est quasiment vide puisqu'on a tout emballé pour emmener donc demain au marché. Je vais vous montrer tout ça. Alors là c'est tout ce que j'emmène. Donc bah, y a aussi bien les produits que les petites boîtes pour faire la déco, etc. Donc tout est condensé là-dedans. Et donc là, c'est mon stand du samedi qui est tout vide puisque j'ai tout récupéré ce dont j'avais besoin. Parce que comme en plus là... j'ai déjà des choses à la boutique de Rambouillet, donc du coup là j'ai vraiment plus grand chose. Donc voilà, donc je suis contente parce que ça c'est prêt. J'aurai encore quelques shampoings à mettre en boîte parce que j'en ai tellement vendu ce matin que j'en ai plus beaucoup pour demain. Donc je vais en remettre en boîte ce soir. Et puis voilà, je suis prête. Alors là on est dimanche, il est 7h30 et on est dans la voiture pour partir, il pleut. On a les enfants avec nous parce que ma mère va venir les récupérer directement là-bas à 8h30. Donc c'est parti, on est là. Alors ça y est, on est installé au marché de Naufle. Et à côté de moi, il y a Sarah. Sarah, c'est la créatrice qui me fabrique les pochettes à savon et les carrés. Là voilà. Voilà, donc elle aussi, elle a toutes ces jolies choses. Voilà. Voilà, ça y est, la journée est terminée. Là, il est 18h30, donc on rentre. C'est une très très belle journée de marché d'artisans. Vraiment, c'était vraiment chouette. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette semaine de vlog à la savonnerie. Et puis, à très bientôt. Ciao! Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un like et un commentaire. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Pour ne pas rater les prochaines vidéos à venir et pensez à activer la petite cloche pour être prévenu de celle-ci. Je vous dis à très bientôt. Ciao!